tune to cocoa non oliva oh so you instruction to ready my ready position to take part of me, my ladies me and you i see you it's me and you me and you yes i got my to representing but Bonsoir All Mighty Crew. Bonsoir. Donc on vous reçoit ce soir pour une interview pour le site internet icu.fr. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà chacun dans un premier temps et moi c'est Majesty Yana, Oishan oh, Asma et Lion Donji. D'accord. Donc à trois vous formez le, le groupe All Mighty Crew. C'est bien ça. D'accord. Donc votre spécialité, en type de musique, c'est dancehall exclusivement ou à la base, c'est la dancehall. Mais nous, on est assez varié. On, on reste pas que sur la dancehall. D'accord. Vu que Allmatic vraiment, on aime s'ouvrir sur sur la musique en elle-même. Donc, on est assez varié. Donc, il y a l'afrobeat, hip-hop, reggae. Donc, il euh, y a un peu de tout. Et même des sonorités du fleuve. Ok. Et vous vous êtes rencontrés comment? Ah, depuis tout petit. Hein. Depuis tout petit, on s'est rencontrés. Euh... Au collège, en primaire, et euh, on s'est liés d'amitié, et puis voilà, c'est parti comme ça. D'accord. La musique, ça arrivé à quel moment C'est arrivé tout seul. Franchement, à quel moment précisément On ne sait pas du tout. Mais c'est arrivé tout seul. Il y avait la vibe, il y avait les délires. Donc, euh, à partir des délires, euh, on est rentré dans le truc, et puis voilà, on a décidé de former le All Mighty Crew. D'accord. Et euh, ça s'est fait naturellement. Et. <coughs> À partir de quel moment, on va dire, vous avez décidé de passer à autre chose que des délires, des freestyles ou des. Ben à quel ouais. moment vous êtes dit que peut-être Almighty Crow pouvait faire de la musique sérieusement et essayer d'aller plus loin ben, À un moment, lorsqu'on voit, il y, y a les grands qui montrent l'exemple, que ça devient de plus en plus sérieux. À un moment, on passe le stade. Il y a le public qui nous fait savoir que les sons, ça peut toucher encore plus loin. Et nous, quand on voit les autres passer à la télé, on voit les autres faire un travail qui est, un travail qui est très difficile et qu'à un moment, il faut être discipliné dans ce boulot. Ça vient tout seul, on, on devient professionnel tout seul, on apprend sur le terrain, et voilà. Tu, nous, tu viens de, de dire les grands. On rappelle, vous êtes originaire de, de Saint-Laurent-du-Maroni. Saint ouais. D'accord. On est obligé de faire le parallèle avec Damagnac. Qui est obligé. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi, si on fait ce parallèle ben, C'est un honneur. C'est un honneur. Voilà, D'accord. C'est un honneur. Pour nous, c'est des grands frères, des icônes. C'est eux qui ont. C'est la, la fondation de la Densoul en Guyane, c'est eux et euh, ils ont fait beaucoup. Ça voilà. fait beaucoup, ils ont montré les chemins, Effectivement, euh... ils ont marqué l'histoire de donc la musique voilà. en Guyane. Donc, okay, on ouais. vous souhaite le même succès. On yeah. travaille pour. <laughs> D'accord. en plus. plus. oui, ouais. très bien. <laughs> et donc, le premier son qui a vraiment cartonné, que je, on peut dire il a tourné sur toutes les radios, c'était Anjoliva. 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 Comment, comment ça se passe ce titre-là Comment il se prépare Comment, se prépare, comment se prépare la sortie et la suite euh, bah, Anjoliva, c'est déjà sorti en 2014 sur euh, notre Urban Album qui s'appelle Amusement. Il y, avait, euh, il, y a, il y a eu pas mal de titres qui sont sortis du lot mais euh, Anjoliva a vraiment marqué les esprits et euh, ça nous a ouvert euh, la porte quoi. Ça a marqué euh, un peu euh, beaucoup de pays. On a reçu des vidéos de la Colombie, du Chili, euh, du Venezuela, de pas mal d'endroits. Et euh, quand on a vu ça, on s'est dit, c'est le son. Euh, le son qu'il qui fallait, quoi, Anjoliva. Donc tu nous disais, Angeliva était sur le premier projet. Ouais. Là, demain, il y a le, le tout nouveau projet qui va sortir. Vous en êtes à combien de projets, là C'est le deuxième ou il y en a eu C'est le deuxième. C'est le, le, le deuxième projet qui sort, le Maxi Single Yoko. Mais il y a longtemps, on avait déjà sorti un, un projet, je ne sais plus si c'était en 2008, mais ça ça, ça, ça date, c'était les, les tout premiers projets, c'était un, 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 un street album qu'on avait sorti euh, plus pour Saint-Laurent pour, Saint Laurent pour yeah, promotionner les, les projets qui s'appellent Yana Académique d'ailleurs. Donc là, c'est vraiment amusement, c'était euh, vraiment le premier urban album, un premier projet officiel avec Pete Williams production qui, qui nous pousse depuis six ans déjà, depuis 2012 exactement. Et, et là, on arrive avec euh, le maxi single pour euh, donner encore une nouvelle touche et. Introduire le public encore dans, dans une, une petite pa, une parcelle de, de nos délires. Et comment, comment, comment ça se prépare un, un projet comme ça Tu nous parlais de Pete Williams. Mm -hmm. quel, est, quel est le rôle de, de chacun quand vous préparez un album que... quand, quand on prépare les morceaux, en, en somme, c'est vraiment un délire. Alors, il faut savoir, nous, on part beaucoup sur des délires, sur, sur du quotidien. Donc c'était vraiment des, des délires à chaque fois pour créer, pour, euh, pour amener les morceaux. Et puis du en production, ils sont vraiment là pour nous cadrer, pour nous, nous montrer le côté vraiment artistique, pour nous, nous diriger carrément, pour nous montrer le côté pro et le côté. Il euh, faut business. faire ça carré quoi, le côté business exactement, parce okay. que nous, euh, on est vraiment dans le côté où il faut ramener le délire, où il faut s'amuser. Parce qu'avant tout, nous, on, on a envie vraiment de s'amuser quand, quand on crée un titre, sinon c'est pas intéressant. D'accord. Et c'est vraiment euh, comme ça qu'on crée. Et on peut s'attendre à quoi alors Qu'est-ce qu'on va retrouver sur le projet qui sort demain bah sur le projet, on va retrouver de tout. On va retrouver des sonorités de chez nous, du fleuve, du kaboula, qui vient aussi d'Afrique. On retrouve euh, ce qui est très tendance aujourd'hui, de l'afrobeat. Mm -hmm. On retrouve euh, du raga seco, un terme utilisé. Euh, du raga seco, parle-nous-en. Le raga seco, c'est euh, du raga, raga sol mélangé au kaseco. Ce terme a été inventé par Damaniac, bien exactement. Okay. Donc, euh, on perpétue la tradition. Quoi. Ok, ok, bah, très bien. Et on retrouve euh, du soka. Okay. J'espère que les gens ils vont bien kiffer parce que... C'est vraiment un bouillon... C'est vraiment vous, un bouillon d'Awara, on va dire. Ouais, vous avez mélangé yes. différents <laughs> univers. Exactement. D'accord, d'accord. Et donc, euh, les compositions, comment vous choisissez vos compositions Vous avez un compositeur, plusieurs, vous, vous savez comment ça se passe On a un compositeur attitré, ben, face, soup of là d'ailleurs que je tiens à Big Up parce que c'est vraiment lui qui... Euh qui est à l'œuvre de tout de tout ce que l'on fait il est euh, il est assisté aussi par Aino que je tiens à big up aussi qui fait un vrai travail aussi c'est un grand musicien aussi donc euh, il y a toute cette petite équipe euh, to face Aino parfois Maxi et euh, quand euh, d'autres compositeurs nous invitent euh, on, fait, on fait le travail on fait le travail et euh, c'est à la vaille Okay, okay. Et les scènes, parlez-nous des scènes. Comment vous, vous avez fait quoi comme scène jusqu'à maintenant Vous avez pu déjà rencontrer votre public Oui, dès notre arrivée le week-end dernier pour l'avant-première de Alcaline. Ah, votre arrivée, c'est-à-dire vous vous ne vivez pas ouais, En ce moment, on est plutôt basé en métropole, ce qui est basé entre Le, le Mans et Paris. Parce qu'il y a la boîte de production en Production. C'est plus, plus facile pour travailler. C'est plus facile pour travailler qu'à distance. Du coup, donc euh, vu qu'il y a plus de où on veut ramener notre, la musique guyanaise justement pour représenter la, la musique guyanaise, faire l'Hexagone, donc on est plus, c'est plus facile de se baser là-bas. Et euh, du coup, là cet été, on est rentré pour promouvoir le, le maxi single Yoko. Et du coup, là, on est rentré le week-end dernier, puis direct pour le concert d'Alkaline, l'avant-première, et c'était un truc de malade. C'était un truc de chaud, on venait d'arriver tout frais. Ben, même les moustiques nous ont bien accueillis aussi. <laughs> et du coup, le truc, il était chaud, il était, il était vraiment malade. Donc, le public de Saint-Laurent, comme d'hab, comme le public de, de la Guyane, c'était vraiment hot, hot. D'accord. Vous nous parliez tout à l'heure de, de vidéos que vous avez reçues d'un mm -hmm. de, de, de peu partout dans le monde. Comment elle s'exporte la musique elle s'exporte plutôt bien parce que là on a pu on a pu voir que il y a pas que le bar, il y a pas que la barrière de la langue voilà c'est la longue, on parle du créole donc le créole peut aller beaucoup plus loin on a eu des exemples avec Kassav, avec d'autres artistes et même des artistes de chez nous Chris Kambet, tout ça et du coup lorsqu'on a vu Liva et a ouvert ses, ses, ses frontières là tout ça on s'est dit ben il faut foncer il faut foncer il y a, il y a il y a des Guyanais qui peuvent être internationaux, qui peuvent marcher à l'extérieur. Donc là, notre créole, le bouchiningue tango, même du mong, même de l'amérindien. Je peux chanter en amérindien. Du coup, il faut foncer, il faut foncer et présenter. Donc, c'est de l'authenticité. On y va, on y va là encore. D'accord. Alors, vous nous avez expliqué que vous avez déjà réalisé plusieurs projets. On peut voir sur le net plusieurs clips. Vous êtes très actif. Euh, J'ai envie de demander quelles difficultés vous avez rencontrées euh, au cours de la réalisation de projets ou même dans votre vie artistique. Est-ce qu'il est qu y a des choses euh, qui vous ont gêné, qui, qui auraient pu être plus faciles ou... La difficulté qu'on a eue au début, c'était euh, de pouvoir se dire que voilà, la musique c'est un vrai business et euh, que dans ce business-là, c'est un monde de requins. Donc, euh, c'est la plus grande difficulté qu'on a pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui. Euh, le fait de comprendre certaines choses dans la musique que l'on pensait être banales. Euh, il, y a, il y a tout ce petit monde-là qu'on se dit euh, voilà, ben, on ne comprenait pas ça, il y avait ça qui n'était pas évident pour nous. Donc voilà, c'est euh, même la paperasse qu'il y a derrière, les gens, les gens se disent ben l'artiste, il va en studio, il pose sa vibe et puis euh, il vient chanter sur scène. Non, justement, c'est pas ça. Et nous, c'est la grande difficulté qu'on a, qu a rencontrée c'est euh, tomber face à cette réalité et euh, cette réalité euh, malheureusement il y en a beaucoup euh, il y en a beaucoup qui arrivés à ce stade là se disent ah ben je rebrousse chemin et puis j'arrête alors que voilà c'est là qu'il faut euh, persévérer dans la chose quoi ok ben dans la continuité de la question, est-ce que vous auriez des conseils, enfin si je vous pose ces questions-là, c'est parce qu'on a des jeunes qui nous regardent, beaucoup de des jeunes qui aimeraient aussi devenir artistes, euh, est-ce que vous auriez des conseils à leur donner pour pouvoir euh, réussir, euh, arriver là où, là où vous en êtes Tout simplement, travail. C'est le, le premier mot que même Pit en production ils nous, ont, ils nous, ont, ils nous ont introduit d'entrée de jeu, c'est le travail. Travail, travail, travail. Et il faut être régulier, il faut être carré. Il faut respecter euh, les conditions qui sont mises en place. C'est vraiment... Il euh, faut être vraiment rigoureux. Parce qu'il y a vraiment tout, tout un carré. Quand le carré il est mis en place, il faut rester dedans. Il faut être euh, persévérant. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident et... et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas rose. C'est pas tu sors un titre et, et ça marche du, du jour au lendemain. Il y a du travail. Il y a énormément de travail. De l'enregistrement au mix, au mastering, à la réalisation des clips, aux tournées. Où... Il y a énormément de choses. Donc, s'ils veulent... Euh, Franchir ce pas, c'est le travail. Et s'accrocher surtout, parce ben, que ce pas évident. D'accord. Un autre mot Aussi, ben, moi je rajouterais que voilà, il y a, y a beaucoup d'investissements personnels, il y a beaucoup de sacrifices à faire aussi. faut être prêt, mentalement et physiquement, à faire tout ça. Donc, il euh, faut tenir euh, bien comme il faut. Il faut, faut marrer son train, hein, faut tiens bébé t'as bien, pas la Ouais, Je sais que c'est pas facile. C'est euh, plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut pouvoir le faire. Quand on te dit, ben, euh, pour pouvoir euh, évoluer dans ta musique, tu laisses ta famille et puis tu pars en métropole. Euh, tu connais personne là-bas et puis euh, c'est là que tu vas galérer pour pouvoir te faire un an, pour pouvoir être reconnu chez toi mmh. après. Ce n'est pas évident, donc il euh, faut pouvoir le faire. D'accord. On rappelle le projet qui, qui va sortir. Donc, euh, où est-ce qu'on pourra le... Le, la voix Donc, normalement, ce sera sur toutes les, les plateformes euh, officielles, tout ça. Toutes les plateformes officielles euh, comme iTunes, tout ça. Et euh, du coup, le projet sort demain, donc le 16, c'est bien ça. Le projet Yoko, et, euh, voilà, il va être sur, même sur notre Facebook. Ceux qui ne veulent pas se casser la tête pour chercher sur Internet, ils vont sur notre Facebook, Instagram, Twitter et on va trouver le lien. Ok. Alors avant de se quitter, vous avez les t-shirts Yoko Family ouais, C'est bien ça C'est bien ça, oui. C'est une marque, c'est quoi Vous pouvez nous en parler Tout d'abord, euh, c'est vraiment un clin d'œil par rapport aux anciens de Saint-Laurent-du-Maroni, parce qu'à l'époque, les grands, ils se checkaient, pour se dire bonjour, c'était Yoko, dans la rue, tout ça, au quartier. Et du coup, pour nous, c'est venu un état d'esprit, c'est-à-dire que le, le côté positif, le côté débrouillard. De la chose, et on a voulu faire vraiment une famille, euh, même s'il y a Almighty Crew, mais vraiment que tout le monde qui est dans cet état d'esprit, on peut former une grande famille en fait. Donc Yoko Family, c'est vraiment ça. Parce que quand tu check Almighty Crew, c'est Yoko, quoi. C'est l'état d'esprit, c'est aller devant. Ok. Ben merci beaucoup, messieurs. Merci à toi, merci à vous. Surtout à on, va on va continuer à suivre votre actualité sur le site yeah. icu.fr. Mm -hmm. Et ben à bientôt, et bonne continuation. Merci.